Salut! Bienvenue pour le terrassement et l'assemblage à la serre tunnel. Alors déjà, il faut créer un emplacement un tout petit peu plus grand que la serre. Il faut le bêcher avec une bêche, un pas de motoculteur, parce que ça sert à rien, c'est pas très difficile. Ensuite, il faut placer quelques parpaings et enfin monter la base de la structure. Et pour ça, il faut compter tous les bouts de ferraille, vraiment les rassembler par type et lire plusieurs fois la notice pour comprendre exactement qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. C'est pas vraiment d'un niveau parfait, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. De toute façon, la structure est déjà pas très droite. Et puis en plus, c'est sur de la terre, c'est pas sur une dalle de béton de ciment, donc ça va bouger un peu. La particularité, c'est que côté gauche, c'est une barre pleine. Et côté droite, c'est une barre avec un chanfrein. Pour que la gauche rentre dans la droite. Et pourquoi? Entre temps, ça a avancé un peu. Ce bout de ferraille qui compose le bas de la porte, il a explosé à cause de la rouille. Alors j'ai percé des petits trous dedans. Alors pour percer des trous dans la ferraille, il faut mettre de l'huile. De l'huile de coupe généralement, mais n'importe quelle huile, ça fonctionne. Puis ensuite, il faut percer assez doucement, avec un fourret à métal bien sûr.
Je vais couper des petits carrés potagers à remblayer au fond. C'est décaissé, il y a un sol à peu près convenable à l'intérieur. Maintenant, il va falloir amender un peu. Je suis retombé dans la permaculture à mettre du foin partout et faire des abris pour campagnols. Petit coup d'arrosage avec de l'eau de source directement sortie du forage. On va faire la porte. Non, ce pivot là. Vas-y, faire descendre. Le bas, là. Là, moi je suis en haut. Moi je suis en bas. C'est bon? Oui. Attention au doigt. Oui, oui. Je pousse. C'est bon? Je pousse encore. Non, mais c'est arrivé en bas. Hein. Ah, d'accord, c'est parce que c'est un peu décalé, c'est pas grave, c'est bon. C'est bon. Un peu sale, mais c'est bon. Alors, vu que je suis prédictif, si tu vois ce que je veux dire, qui dit bâche de camion dit aussi sangle de camion et fer à béton. Progressivement, il faut remblayer avec de la terre de la cave qu'on est en train de creuser. Alors, il y a plusieurs façons d'accrocher la serre. Avec les sangles, ça marche très bien. Sinon, on peut la saucissonner avec du câble en fer. Il y a aussi toutes sortes de cordes. Les sardines, ça sert vraiment pas à grand chose. Sinon, on peut amarrer la structure au parpaing avec des bitonnus en ferraille. Et pas celui-ci, il y en a d'autres qui sont faits exprès pour ça, mais je les ai pas. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la structure au total pèse environ 100 kg. Et puis, si on a de la forêt tout autour, il y aura moins de vent violent. Du coup, faut pas déforester, il faut planter des arbres aux alentours et de la haie.
Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout Rock'n'Roll! Alors, ce portail n'ouvrait déjà pas correctement quand il n'y avait pas de poules. Et maintenant qu'il y a des poules, hop, ça bloque dès le début. Donc, il faut inverser le sens d'ouverture. Coucou! Il suffit de mettre des petites crawls pour que ce soit un petit peu de niveau. Et avec cette percette, on peut directement visser dans le bois d'épicéa. Ah voilà! Regarde-moi ça, comme ça fonctionne mieux!